Hello les gars, aujourd'hui je vous emmène avec moi pour aller traiter la mycose pour les pieds. Sur cette vidéo, vous allez voir comment on nettoie, comment on redonne vie à un pied qui a du mycose. Vous allez voir que premièrement, faut désinfecter votre pied. Ensuite, n'oubliez pas que pour les soins des pieds à problème ou des mains, il faudra emmener tous vos équipements avec vous, les lima ongles, les buffers, des trucs pour bouger les cuticules, enfin, tous ces genres de trucs neufs. Si pendant l'opération vous ressentez des picotements, cela veut dire que vos ongles sont toujours en vie et ils sont pas totalement morts, donc il y a de l'espoir. Fais-tu mal?
Client satisfait. Se faire pas trop belle. Je connais plus pire que ça. Ok. Le fait qu'il n'y ait pas bien du mal, ça veut dire qu'il y a une insensibilité là-bas. Et qu'il est bon. Il y a encore. Il y a quand même un bon repousse à faire. Sans que le rejoignement. Il y a quand même une repousse, ouais. Bien, moi, si on passe en l'église, je sais pas si j'ai un cœur. En l'église, tu peux quand même. Non, si. Si tu partiens à la ville, alors moi je peux te... On se passe à la ville avec Chéli.
Pour bien soigner votre muqueuse, il faudra vomir d'un noeud oxygéné à appliquer tous les jours sur vos ongles. Et voyez dans la vidéo, vos ongles commencent à faire des petites bulles. Donc, c'est là que vous savez que vraiment l'eau est en train de faire bien son effet. Si vous aussi vous voulez traiter votre mycose et vous avez peur ou vous avez honte de vos pieds, de montrer à quelqu'un, n'hésitez pas à contacter ma très chère copine. Elle fera le nécessaire pour vous. Et allez voir. Et moi, tu veux bien? Bien sûr, bien sûr. Ah. Oui, oui. Allez. Tu veux bien? Allez, tu vas toi. Allez, toi. La maison, toi? Non, non, nettoyer. Ça va nettoyer. C'est propre.
어떻게 간 소리야? 아이고, 이거 봐. 이거 무슨 소리야? Petite explication, à savoir qu'il faut nettoyer vos pieds régulièrement après le traitement, donc 2 à 2 semaines d'espace. Et aussi, il faudra toujours aérer vos pieds, comme elle met toujours des chaussures, des tennis, donc ce qui fait que la muqueuse ne puisse pas respirer et s'aggrave. Donc du coup, il faudra mettre plus de sandalettes et laisser aérer. Voilà.